Comment ça va les gars? Floppy, Dams, Bono, Guillaume, Seb, Didier, Merlin, Olivier, Yannick, Erwan, Gildas, Xavier, Sylvain, Michael, François, Laurent, Undrafted Players, Cédric, David, Jean-Christophe, Didier, Musibul et Propeller 63. Et le Québécois. Comment ça va? Les gars, vous êtes en forme? Vous allez bien? Salut Jack! Un autre Didier, comment allez-vous les copains? Bon, on va maqueter un peu, hein? Histoire d'eux, un petit peu quand même. On va monter ça vite fait, parce que l'avion, là, le... Comment? Mais qu'est-ce qui m'appelle à cette heure-ci? Allô? Je vais très bien et tout va bien avec ma truc Bouygues. Tout est parfait. Non, pas du tout. Tout est parfait. À vous aussi, au revoir. Allez, doudou. Bon, vous êtes prêts les gars? Moi je bosse et décale sur le 262, nous dit Antoine. Messerschmitt donc, hein? Bonjour beau-frère, bonjour cousin, bonjour beau-frère, et on se fait des bisous, on se fait des paluches, des papuches, comme on dit. Bon, alors la tisane. Oui, l'avion, j'ai besoin de concentration, donc je monte ça, je fais beaucoup de photos, je fais un article, je fais quelques vidéos pour faire aussi une courte vidéo. Hein, je ne peux pas faire ça en direct. Donc en direct, je fais des montages, sorties de boîte, fastoche, parce que je fais quand même beaucoup de bêtises en direct. Hein. Donc, on va monter ça rapidos en direct de temps en temps. Voilà. Encore du truc du débarquement, bien évidemment. Ça va les gars, vous préparez votre montage là? Vous êtes dessus sur la recherche de doc et tout ça? Les articles. Alors vous avez vu que j'ai mis un serveur Discord en place uniquement pour les auteurs. Si vous avez des questions pour les articles, comment on fait ça dans le logiciel, comment on fait ci, comment... On modifie ça, je voudrais faire ci, je voudrais faire là, j'y arrive pas. C'est sur le serveur Discord D2MM. Ok. Toute autre question concernant d'autres trucs, j'y réponds pas. C'est que sur les auteurs. Sur D2MM. Ok les gars. Comme ça vous avez une espèce de SAV. Floppy, je justement d'imprimer en 3D les bouches de mes canons pour D2MM. On va aller voir ça, t'as mis ça sur Yes. Fais-nous voir ça, Biloute. Ah
Alors. Ah bah là c'est le... t'as fini ton T80, c'est ça? Tiens, je savais pas qu'ils avaient un système. Comment on appelle ça? Le système Sentry là? S-E-N-T-R-Y? Ou Trophy, c'est ça? Comme les Israéliens. Ok, bah bien joué, Floppy, t'as fini la tourelle. Et là, c'est tes impressions, ça, les impressions 3D. D'accord. Bah top, génial. Ça, c'est quand même sympa la 3D. Hein. Ici Bulle, pour reprendre un petit montage de même, ce serait pas mal. Je me tâte encore sur le thème. Salut Philippe. Cool, ok, très bien, parfait. Bon. Bon, on va y aller tout doucement, les gars. Que ça fait du bien. J'ai fait un tour en vélo cet après-midi. Il fait beau à Paris, je me suis régalé. Voilà. Hop, tout va. Donc, c'est la maquette Tamiya 35e Ford GPA Amphibian. Avec trois figurines. C'est une maquette assez ancienne. Voilà. Licencié par Ford Official Essential Product. Bon, comme d'habitude, je pense que ça va être une petite maquette facile à monter, rapidos. Et elle viendra s'ajouter à ma petite collection de véhicules pour le débarquement, là, justement. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, comme d'habitude, chez Tamiya, tout est bien emballé. Donc, voilà la taille du véhicule. Encore une charrette à rouler. Bah oui. Ouais. Pour les avions, j'ai besoin de concentration. Bon, que je peux pas faire ça en direct. Alors que là, bah, c'est un peu. C'est du Lego, hein. En plus, c'est du Tamiya. Ça va se monter tout seul, ça machin. Alors, oh, il y a même un peu de photo découpe, dis donc. Eh bien. Petite planche d'école, un peu de photo découpe, c'est les petites grilles. Ok. La notice. On va se mettre un peu de jazz parce que je vous avoue que Noël, j'en ai un petit peu mangé là. Donc, voilà. Non mais tais-toi donc. Voilà. C'est un petit peu plus sympathique. J'en ai un peu ras-le-bol de la musique. Salut André! Moi, je ne m'inquiète pas, je cherche à me débarrasser d'une martre qui squatte sous le capot de ma voiture. Bah, il faut lui mettre un coup de je sais pas, le bombe lacrymo ou je sais pas quoi, là. T'as acheté un camion, Seb? Bonjour Didier, bonjour à tous, je recherche des photos intérieures du C47 car dans Doc Maquette, les couleurs ne sont pas suffisamment détaillées. Eh ouais. Je cherche justement une de tes vidéos, tu m'avais montré comment faire les boules des poignées des PE dans les cockpits. Je crois que c'était qu'avec une goutte de cyano, non? Ouais. Il y a plein de petites méthodes, mais une des méthodes c'est la cyano, ouais. André Pierre, le jeune homme, mais malheureusement les événements personnels me comprennent à renoncer. Oui, c'est toi qui m'as envoyé un. Tu m'avais prévenu André, hein. Merlin, il faut que je t'envoie mes chats, ils me l'en ramènent parfois, mais elles sont trop mignonnes. Ouais, ok André, bah ok. Bah écoute André, ça arrive, hein, tu sais. Voilà, faut mieux que tu sois franc et honnête comme tu as fait là, bravo. Plutôt que de dire pas de soucis, pas de problème, puis pas aller au bout. Le Père Noël vous a gâté, bah moi j'ai eu un vélo. Mes enfants m'ont offert un super vélo à 2000 balles là. Vraiment, je fais le boulot. Vélo génial. Donc moi j'ai eu un super cadeau de Noël. Ouais. Voilà. Et après, bon, il y a plein de gars d'entre vous qui ont reçu des maquettes. Hein. Ah Seb, c'est ça que tu t'es offert là? Revenu de chez Obipam avec une petite boîte, une maquette de chez Trumpeter. Un MK-MTVR with Armor Protection Kit. Ah ouais. «
Ah, toi aussi, tu t'es mis dans la roulette, hein. Et Michael travaille sur son Skyrider Tamiya OA48, pardon. Ouais, c'est prometteur, Bilout. C'est joli, les traces de fumée sont bien faites. Tempé ombrage est top, les décals sont parfaits. C'est joli. Un travail super propre. Bravo, Michael. Bon, alors, pourquoi il y a deux petits trucs, là? C'est quoi, ça? Ah, petite explication. Alors, ouais, c'est la petite notice qui est tout en japonais. Et ici, anglais, français aussi. Ah, ouais. Caractéristique du Ford GPA. Le GPA était développé par la firme américaine Ford. Le GPA a reçu divers surnoms, dont SIP et Ike Envision Taxi, en référence au président Eisenhower. Ok. Longueur 4,6 m, ouais, quand même. Moteur à 4 cylindres, hein, ok. 2200 cm3, 55 chevaux. Transmission manuelle, vitesse maxi 80 km/h et 8,8 km/h sur l'eau. Capacité de carburant 60 litres. C'est une grosse. Tu vois ? Pas mal, hein ? Bon, alors ça on peut mettre de côté, c'est la petite doc. Right. Et la petite montage. J'ai jamais quitté les roulettes. Tu as fait des avions, hein ? Ouais. Salut Clément. Toi Antoine, t'as reçu un MiG-29 Great Wall Obi, ah, bah, c'est génial, attends. Et le P-47 milliard, ouais, oh. Salut Jean-Marie. Mon boss a ouvert le capot d'une utilitaire il y a un mois, il y avait un faisan. Il a passé deux jours dans le garage. Oui, des avions, c'est un moment de folie. Oh, tu parles. Tu parles, t'as adoré faire ça, je le sais. Alors. Bon, c'est tout de la même couleur, tout est olive drabe, hein, c'est pas la peine de. Sauf les coussins, j'imagine, là. Puis le caoutchouc des pneus, évidemment. Ça, moi je m'en fous parce que je manque jamais le moteur, j'aime pas ça. Tac, 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 tac. Oh, ça va être vite fait, ça, hein. Ça va être rapidos. Alors le premier, Tunisie 43. Ah, voilà, c'est le B. Normandie, juin 44. Ok, donc on fera la déco A, la déco B, pas la déco A. Si jamais il y a des trucs dans les machins là. Un B-17, c'est pas un avion, bah, c'est quoi peut-être? Ah, le mec, les excuses. Tu te voiles la vérité, mais ouvre enfin les yeux, Seb. Un B-17, c'est pas un avion. C'est une légende. Tous les avions sont des légendes. On montre que des légendes, mon biloute. Mon épouse m'a offert le P-51D Tamiya OA32. Oh, génial! Mais vu mon emploi du temps, je ne vais pas l'attaquer de sitôt. Ah ouais. Ah, sympa, Clément. T'as décoré ton atelier? Salut, Carpio! Eh si, ben ouais, le B-17, c'est un avion. Je suis sûr que tu t'es éclaté, mon biloute. Je suis certain. J'ai même pas besoin de... Alors, Philippe, mon cadeau de Noël. B-25H Mitchell au 1,32e. Waouh, génial. 65 cm de long, 49 cm, 50 cm de... Enfin non, 65 cm d'envergure. 50 cm de long. Philippe, vu à la vitesse où tu veux, t'en as pour 15 ans celui-là. Christophe, deuxième maquette seulement à l'aéro, X22 passé, prêt pour le décal.
pour ta deuxième Makata Aero, tu choisis un avion allemand avec des mouchetis, bien entendu. Mais ça va, tu t'en es pas trop mal sorti. Je connais pas la camo originale, mais écoute, apparemment, tu t'en es bien sorti. Hein, essaye de pas brûler des étapes. Après, tu vas faire quoi la troisième pour monter le challenge? Clément, ben voilà, c'est le garage, c'est ça que tu parlais. Hein. Ça va être sympa, hein? Je me suis fait plaisir, je viens de chercher mon cadeau de Noël, grosse boîte. Ah bah oui, au 35e, Atomic Cannon, Atomic Annie. Oh, dis donc le truc. C'est original, hein, j'ai jamais vu ça monter en maquette. Ah oui, quand même, t'as de quoi faire. C'est pas mal tout ça. Je vois que Didier a mis les bretelles. Ouais, ça va chier, comme on dit. Christophe 29 est une âme en perdition, du boulot pour 2024. Bon, alors. Commençons les gars. Hein. Puis si vous avez des trucs à poster, bah postez hein, les petites photos, les petits machins. Si vous avez des trucs à demander sur le D2MM là-bas, n'hésitez pas les gars. Hein. Là on est 84 pour l'instant. Alors on n'est pas tous auteurs, il n'y a pas 84 auteurs, il y en a bon, une bonne soixantaine quand même. Hein. Et moi, je suis en train de préparer ce qu'on appelle le front arm, c'est-à-dire quand les gens vont venir lire vos articles, il faut que ça soit rangé par catégorie, tout ça. Il faut des photos, des machins pour que les gens cliquent sur des liens et tout. Je suis en train de préparer ça. C'est beaucoup de travail. J'ai travaillé toute la matinée, là. J'aurai certainement encore demain, après-demain. Il faut que je termine tout avant le 31, évidemment. Parce que ça va être en place le 1 au matin. Ça va chier, c'est pas des bretelles qu'il faut mettre, c'est des couches. Oh, t'es en forme, toi. Toi, t'es en forme. Hein? Va donner un coup de main à Merlin pour sa martre, là. Didier, tu as le look vétéran. Ah, ouais, non, je suis pas vétéran. Je vois un F-104 derrière toi, Didier. Comment ça, où ça? Où? Alors? Ah oui. C'est celui qu'on a monté ensemble, au 1.32 de chez Italeri. Salut Henri. Salut JC. Didier, tu penses que sur D2M, il aurait possible de faire un article avec plusieurs auteurs dessus? Pour le diorama de la Rosanne? Non. Non, c'est les articles, c'est auteur par auteur. Hein. Tu peux pas écrire un article et puis plusieurs peuvent l'éditer et tout. Il y en a un qui peut s'en occuper et puis il fait copier-coller, tu vois, les textes des autres. Puis il ajoute la petite phrase texte par un tel, tu vois. Mais que chacun puisse y aller, non, c'est pas possible. Il est un peu loin, l'ami Merlin. Ouais, je sais bien. Bon, alors, on va coller déjà la première pièce. Hein, parce qu'on dit que la première pièce collée. Première pièce collée, maquette à moitié montée. Hein? Alors. On va coller la pièce B13. Oh, c'est une Y. La B, elle doit être là. Bah oui, sûrement. C'est des vieilles maquettes Tamiya, mais elles sont super bien moulées et tout, il n'y a pas de problème. On va en faire un truc d'enfer. Alors, B13. Est-ce que je peux mettre mon casque et la casquette? Et ben voilà, il suffisait de demander. Voilà.
B13, c'est cette pièce-là. Ok. On va se rapprocher un petit peu quand même. C'est quand même sympa. Bon, ça, je vais l'enlever. Hein. Ben oui, si je peux pas le mettre, je peux pas le mettre. Il faut mieux que j'ai le casque. Hop là. Pourquoi sur le British MK2 il y a une étoile US alors que c'est un véhicule anglais? Alors là, I have no idea. Aucune idée. Mais là les gars, j'ai pris depuis le bac que vous êtes venus pour la raclette, là, les bilouks là. Plus le repas de Noël, plus d'autres repas que j'ai fait avec des copains de cuisine là, plus j'ai repris 6 kilos. Donc inutile de vous dire que quand les fêtes vont être terminées, là, quand mon fils. Parce que j'ai encore un Noël à faire moi le 6 janvier là. Donc à partir du 7 janvier. Carottes. Râpé. Salade verte, bouillon de légumes. Et sport. Il faut qu'au printemps, je sois tombé à 95. Donc on va amortir le vélo. Salut Rick. Salut Jackie. Carpio, je n'ai pas pratiquement qu'à la Valero et à l'aéro, pas de soucis, mais j'ajoute toujours du retardateur, de la marque et un peu de diluant aussi. Alors, on va. Comme disait Churchill, le sport. Oui, non. Churchill, il avait une carrure. Enfin, tu vois, on n'a pas la même constitution. Alors, tac, 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 ok. Alors, d'après ce qu'il y a sur la notice. Ah, comme ça. Non, comme ça. Et là, je bascule. Voilà. Et là, je centre. Voilà, et là je colle. Voilà, il y avait un petit. Le bête. Parfait. Combien de kilomètres tu fais avec ta batterie de vélo? 80? À peu près. Ça dépend comment aussi que je l'utilise, tu sais, j'ai trois modes. J'ai le mode 1 où le moteur il aide, enfin le mode 0 où le moteur il est éteint, il est coupé. Donc là c'est le vélo classique, je pédale. Après tu as le mode 1 où le moteur assiste un tout petit peu, le 2 un peu plus et le 3 c'est le maximum. Le 3 j'y vais jamais, le 2 c'est rare. Je suis souvent en 1 et souvent en 0 aussi quoi. Donc au final. Mais c'est clair que si un jour je fais des codes beaucoup, machin, je suis fatigué, je mets souvent en 3, la batterie elle s'use beaucoup plus vite. Est-ce que tu peux m'envoyer des liens vers Discord parce que je peux plus discuter sur Discord avec vous? Mais comment ça se fait? Reconnecte-toi sur Discord, moi je t'ai pas éjecté sur Discord, Jean-Marie. Donc tu dois encore être dans le truc. Mais bon, je te refile le lien, bouge pas. Mais je te préviens, je vais pas passer 3 heures à te reconnecter tout ça, tu le fais tout de suite. Ok Merlin, je balance le lien. Merci Merlin, c'est très gentil. Heureusement qu'il est là Merlin des fois parce que. Trop de la balle. J'ai vu que vous avez mis des trucs les gars sur Discord. On va les voir après, je colle quelques pièces tout de même. Donc voilà, la pièce numéro 1 est faite. Voilà. Le montage est lancé. C'est ça qu'on dit. Hein? Alors, on va coller B23. C'est des petits
amortisseurs qui vont aller là sur chaque côté pour que les suspensions puissent fonctionner, évidemment, sinon on va sur les chemins de bocage normand, ça va cavoter quoi. Le Didier fume pas comme le Churchill, bah non, aucun risque. Pas d'alcool, bah non, moi. No alcool, jamais. Alors, B23, on y va, allez mon piqué. Voilà, deux pièces en B23. Ils sont mignons ces petits kits là, ils sont simples, ça se montre rapidement. Il n'y a pas de surprise, tu vois, voilà, c'est du Tamiya, on ne va pas avoir de surprise, genre oh merde, mastic, oh merde. La pièce est voilée, oh merde, ça manque de détails. On peut toujours améliorer, évidemment, mais. Ouais, regarde ça. Trop mimi. Maintenant, il est là, mon copain Yannick. Pour vous dire que j'ai bien reçu ces fichiers. Je monte en même temps que toi la maquette. Oh génial, je l'avais vu dans une de ces vidéos. Il s'occupe maintenant envie de l'acheter. Je l'ai dégraissé ce matin. Ah, génial! Top! Bon, ça va aller vite, hein, Drafted Player. Là, ça va être un montage rapidos, peinture, il y a 2-3 trucs. Voilà. Bon. Ensuite. Là, il y a le petit moteur pour la petite hélice, B21, B19. Il est là aussi, Titus. Je t'ai inscrit ce matin, c'est bon. Hein. Je sais qu'il écoute le direct. Alors, attends.
Ok. Je laisse penser quelques secondes. Oh merde. La pièce s'est cassée. Eh ben, dis donc, ça a été vite, hein. Elle était très 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 fragile et puis voilà. Boum boum boum. Donc, ce qu'on va faire, faut que je retrouve l'autre morceau. On va déjà en coller un morceau. Oui Antoine, oui, c'est ça le problème avec Tamiya, surtout sur les vieux kits. Alors sur les nouveaux, ils ont fait des petits efforts, quoique c'est pas encore parfait. Mais sur les anciens kits comme ceux-là, là, je suis sûr que bah, ça va être des trucs de... Ouf. C'est assez épais. Donc généralement, on essaye de trouver d'autres kits ou tu vois, enfin d'autres planches de décal. Ah, bon, il va y avoir une petite là. Hop. On laisse la colle un peu agir. C'est épais, ça c'est facile. Ouais, ils se déchirent pas, ils sont bien, tu vois, mais il y a des fois, c'est ouf. Moi je sens en tout cas qu'il y a plein de kits Tamiya où j'ai préféré soit faire des empochoirs, soit trouver des cales d'une autre boîte, enfin tu vois. F14 ça va, ils sont un peu plus fins, Antoine, ils sont un peu mieux. Quoique le dernier j'avais acheté une planche spéciale aussi, parce qu'il me fallait une déco spéciale pour le client là. Qui n'est pas venu chercher d'ailleurs son F14. J'ai pas de nouvelles de lui depuis 2 semaines. Il était censé venir chercher sa maquette pour Noël, mais j'ai pas de news. Alors on va mettre la petite hélice pour qu'on puisse aller dans l'eau. On sait jamais si on a une rivière à traverser ou autre. Qu'on puisse quand même. Voilà. Plouc, 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 plouc. On va pouvoir. Ok, on reprend ton temps. Faut croire que t'as gagné avec 14. Oui, donc qu'il vienne le chercher ou pas, c'est vrai que c'est pas. Il l'a payé, hein, donc. Alors B23. B22. Ça me prend quand même une grosse place dans la vitrine là. Hop. Alors la B22, c'est même pas 6 pièces. Peut-être mettre des trucs à système d'aimant là pour que ça colle sur mon jig là, non? Pour le. Enfin ça colle, ça aimante sur mon jig. Que je puisse. Mais où est-ce que j'ai mis ma... Ah, là. Chercher ma petite pince.
suspension arrière et avant, comme ça, ça va pas trop capoter. Voilà, voilà. Ensuite, un petit gouvernail, oui, oui, évidemment, pour qu'on puisse quand même se diriger dans l'eau. Hein. B17. Voilà, notre petit gouvernail. Petit mais efficace. Pas de partir n'importe où là, ça va être nickel. Bon, on a déjà fini l'étape 2, les gars. Hein, étape 3, right. Ça, c'est un truc qui se monte, tu vois, en une après-midi, roule ma poule. Hein. Séchage normal, moi je prends toujours, j'ai pas de séchage rapide. Salut Steve! Salut Hervé! Salut Yannick! Tu vois, même en faisant des roulettes, comme tu dis, il y a des P17 sur la grappe. Ben oui, on ne peut pas se passer de référence à l'aviation. Ah oui, ben oui, Merlin, Jean-Marie Marron. Alors Antoine, sur ton projet là d'aréodrome commun, toi, en quelque sorte, du Rama, tu as deux P47 pour l'instant, deux P51 et un C47 prévu. Oh, génial! Ça te fait 5 appareils là. C'est top ça. Ouh, il y a des petits trucs, on va aller faire un tour quand même de temps en temps sur. Alors on avait raté quoi? Ça ici, c'est notre ami Carpio. Petite deux pattes de Dush fourgonnette que je viens de terminer et que je vais offrir pour le nouvel an à un ami. Waouh! C'est sympa, ça c'est un beau petit cadeau de Noël, parce qu'en plus c'est un petit cadeau, comment on dit, personnalisé. Tu l'as fait exprès pour lui, c'est génial. T'as pas de prix des petits cadeaux comme ça. Génial, top. Didier, mon cadeau de Noël par la famille. Un Italeri. Un SDKFZ 162 Jack Panzer et l'autre je vois pas. Yes, ok. J'arrive pas à lire le titre, mais peu importe. Deux casses à savon à roulette. Les kits arrivent. Ah oui, la Simca, oui, oui, génial, ça va être sympa ça. La petite Simca 5. Et la petite Kubel Wagon avec sa photo découpe. Sa petite planche de PE, c'est génial. Titus, Floppy, voilà mon premier Tigre 1 de chez AVF au 1/48e. Ben voilà, génial. Génial, Titus. Titus, j'ai mis des photos avec Zoom, on voit un peu plus les poussières légèrement. Ben top! Tu l'as fait bien beau là, tout propre, tout neuf, sorti du garage. J'ai reçu que 3 épisodes, Yannick. À moins que tu m'as envoyé d'autres fichiers depuis le direct. Après, il faut que tu me les autorises sur Google Drive. Avancée du Sherman. Yeah. Faut mettre un peu plus de lumière quand tu fais tes photos, Eric, on voit pas grand chose. Regarde, c'est trop sombre, on voit bien les numéros là, moi, son char, on voit rien. Sylvain Marie, je colle du plastique aussi, un Soviet Zis 30 Hobby Boss et un Comintern Trumpeter. Original, hein? Chouette! Sympa les gars.
Très sympa. Bon, le B14, on va mettre les essieux à l'arrière là. Normal, tu as tout. Normalement, tu as tout. Ah, tu m'as envoyé d'autres mails, tu veux dire. Alors, attends. Let me check que tant que j'étais là, que je te dise oui, je les ai reçus ou non, je les ai pas reçus. Ouais. Alors attends, tu m'as mis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Bon, il va falloir que je te demande les validations à chaque fois. Mais oui, c'est bon. Ok, d'accord, très bien. Je ferai ça ce soir ou demain. Merci beaucoup, Yannick. Et après, pour la distribution, tu crois pas qu'on va avoir des embrouilles Voilà, faut faire ça discrètement. Mais c'est vrai que ça serait sympa. Pour ceux qui ne l'ont pas, en tout cas, ceux qui l'ont, bon. Je suis responsable des sites, on ne va pas finir en tôle en 2024. Bah oui, Titus, c'est très bien. C'est déjà un peu trop tard pour discrétion. Bah non, je n'ai pas donné rien du tout, ce que tu racontes. Alors, allons coller ça, donc l'installation du différentiel arrière. Voilà. Tu vois, c'est pas compliqué, hein, une pièce. Faut mettre un petit crochet ici, le crochet B1 pour pouvoir accrocher une petite remorque ou autre. Voilà. Alors on m'a envoyé un mail, deux, trois personnes m'ont envoyé un mail en me disant Didier, est-ce que je peux commencer avant le 1er janvier ma maquette? Mais bien sûr les gars, bien sûr. Si vous voulez commencer là aujourd'hui, demain, hier, enfin bref. La patron, c'est de commencer à publier, au premier, ou voilà, des choses comme ça, pas avant. Mais bien sûr, vous pouvez commencer. Alors, le petit crochet pour accrocher la petite remorque. On va le mettre là comme ça, hop. Yes. Puis ça c'est les béquins, c'est les petits feux. Si jamais on roule le soir, il faut qu'on puisse nous voir. C'est B1. Non, pardon. B15. Il y en a deux. C'est deux toutes petites capsules là. Hop. Ok. Alors je suis en train de tout mettre sur un fichier Excel, là, tout ce qu'on va réaliser, pour calculer à peu près le nombre d'avions, le nombre de blindés, le nombre de... par sujet, tout ça, là. C'est long comme boulot, mais j'ai bientôt fini. Là. J'ai encore une petite série demain de 10. Et comme ça, après, je pourrais vous faire une synthèse en disant, bah voilà... Il y a autant de ci, autant de là, autant de C-47, autant de tigres, de machin.
Bon, j'ai retravaillé un petit peu l'arrondi des petits phares. Floppy, j'ai commandé les miennes. Tu veux dire quoi? Ah, les Frioul, là? Ouais. Chez Frioul, tu en as eu pour 54 euros. Ouais, bah ouais, c'est cher. C'est ça, le problème. Ouais, Yannick, tu fais comme tu le sens. Hein. Ouais, ça a abusé, le prix des Frioul, c'est trop cher. C'est super cher aussi. Ça te double le prix de ta boîte, quoi. Tu vois? Oh, bien. Ça commence bien. Ça commence bien. Tu vois, tu te prends une boîte, tu vois, même pas trop chère, tu vois, 25 balles, 30 balles. Un petit blindé que t'aimes bien, hop, Frioul, boum, 80 euros. En tout, hein, je te parle, ça augmente sacrément. Hein. Mais c'est vrai que c'est un ajout sympa, quoi. Tu vois, ça rend quand même vachement mieux que les trucs hein, en vinyle. Ah oui, d'ailleurs, cher Didier, il y a une faute de frappe sur mon nom de projet. C'est LEFH18 et pas LEH. À l'occasion, si tu peux modifier. Ah oui, tu vas me donner plus de boulot pour une petite lettre. Allez, on y va. Alors, D2MM, yes. Fais ça tout de suite, tu sais pourquoi? Parce que sinon, après, j'oublie. C'est simple. Hein. Donc, je le fais là maintenant. Donc, il faut que je fasse quoi? Enfin, bouge pas. Mais d'ailleurs, mon cher Didier, tu as mis L-E-H alors que c'est L-E-F-H. Ok. Alors, éditer. Faut que je trouve Floppy maintenant. L-E. Ah oui, j'ai oublié le F en majuscule. D'accord. Alright. Alors, F majuscule. F. L-E-F-H-18. Je recopie bien comme tu as mis. Yes. L-E-F-H-18. Voilà. Terminé. Mettre à jour. Publié, vérifie au cas où, Floppy, L-E-F-H, voilà, c'est bon. Ouais, Carpio, c'est clair. Hein. En gros, c'est 30 balles, je crois, hein. C'est 30, 35, 34, ça dépend, les types aussi. Puis après, t'as le frais de port. Alors le frais de port n'est pas cumulatif. Par exemple, si tu te dis, bah tiens, je vais en profiter, tous mes montages de 2024-2025, je vais me prendre 6 boîtes, quoi. 6 boîtes de Frioul, comme ça, tout d'un coup, je ne paierai qu'un frais de port. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. C'est 20 balles à chaque boîte. Moi, la fois, je voulais en commander deux, je ne sais plus pourquoi, des chars que j'avais là, un Charman, et puis je ne sais plus quoi. Deux jeux, bah, ça m'a fait 115-120 euros. Je ne les ai pas pris, hein. Je l'ai pas pris, j'ai pris des trucs en plastique. Tant pis, hein. Sinon, faut profiter d'en acheter sur les salons. Ouais, ah ouais, c'est sûr, c'est l'idéal. Hein. Quelqu'un sait comment enlever le chat? Bah non, le cœur, non, bah non, on en parlait la dernière fois, Seb. Moi aussi, j'aimerais bien, parce que ça me gêne. Moi, j'arrive jamais à lire... la fin des phrases. Il faut toujours que j'attende que ça monte pour la lire complètement. C'est nul ce truc-là. Il y a le petit côté sympa où quand vous cliquez dessus, moi sur mon écran, je vois plein de cœurs qui défilent. C'est ça, c'est mignon, mais c'est pas pratique. Jackie. Didier, jusqu'à...
Jusqu'à quand peut-on rajouter des maquettes en plus de celles déjà inscrites? J'aimerais rajouter une Willis malgré qu'il. J'essaie de me concentrer pour deviner ce que tu as voulu écrire. Oui, déjà qu'il y en a déjà pas mal déjà. Rajoute pas. L'important, c'est que tu sois inscrit. Voilà. Et après, quand tu commenceras à monter, tu m'enverras un message. Parce qu'on ne sait jamais. Des fois, tu peux ne pas le monter ou pas ci, pas là. Bon. Maquette par maquette. Mais après, si tu es en 11 mois, tu vas monter 11, tu peux en faire 11, il n'y a pas de souci. Hein. Tu vois? Mais montons déjà ce qu'on a écrit, et puis après, on verra petit à petit. Maintenant, ouais, PayPal, même si tu vas par PayPal, ils t'ajoutent 3 euros, ils se foutent de notre gueule. Non, c'est de l'arnaque, ce truc-là. Ah, Phil 74, yes! Phil 74, attends, elle s'habille, hein. Voilà, elle passe son petit t-shirt, son petit jean avec son petit trou. Voilà. Exprès pour toi, Phil. Voilà, n'hésite pas à nous dire, hein, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais comme maquette, etc. Salut, salut! Didier, je vais faire une vignette pour mon tigre, comme tu l'avais présenté il y a un moment. Bah, j'ai fait un seul tigre, j'avais fait un diorama, moi, Titus. Tu vas faire un diorama? Je suis déjà inscrit. Bah voilà, t'as pas besoin de... Tu vois? Montre ce que tu es en train de monter, là. Enfin, ton premier truc que tu as inscrit, ta Simca, là. Et puis, quand tu auras fini ta Simca, si tu as envie de faire autre chose pour le D2MM, ben ouais, cool, tu m'envoies un petit message en me disant, ben, je suis déjà inscrit, mais maintenant je vais monter telle ou telle chose. Hop, je rajoute une petite phrase dans le truc, et puis c'est bon, roule ma poule. Je viens de Haute-Savoie. Je suis plus avion, mais il m'arrive parfois de basculer du côté obscur pour avec des véhicules. Ah, génial, Phil. Top. Bienvenue à toi. N'hésite pas à poser toutes les questions que tu veux. Si tu as des questions, si tu n'en as pas, tu n'en as pas, mais si tu as des questions, n'hésite pas, même si tu te dis, oh là là, on a dû lui demander ça 150 000 fois, alors je vais me taire. Non, 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 ne te tais pas, demande. On te répondra. Si ce n'est pas moi, il y a un collègue, là, un copain qui répondra. L'année dernière, Frioul était en expo à Saumur. Ils reviendront peut-être. Ouais, ça serait sympa. Un copain de la Haute-Savoie. Bah ouais, donc si vous voulez du reblochon, tout ça, bah voilà. Un petit message à notre ami Phil, il va vous envoyer ça. Alors, on commence, on va faire ça là. Ah. Philippe, pour se dire, ça va pas, non, je vais recevoir plein de messages de commandes de reblochon. Hop là! J'ai déjà regardé beaucoup de vidéos, voilà, bah écoute. Reblochon, c'est tonne. B24, B7. On va mettre la petite roue de secours. Bah pareil, comme ça, si jamais on crève, on aura de quoi remplacer le bazar. Où t'as mis, hein, vous parlez des marques du reblochon. Ah bah tu sais, si à Paris, la marque du reblochon, c'est Monoprix. Hein. Il n'y a pas de... Hey Claude, bienvenue dans Basique. Allez, c'est reparti. Je veux dire à la petite qu'elle se réhabille. C'est parti. Allez, c'est bon. J'ai remarqué, elle est moins énergique quand il fait froid. L'été, elle bouge un peu plus. Bienvenue à toi, Claude. Si tu te réinscris.
parce que tu es déjà avec nous depuis pratiquement un an. Là. Titus, Didier, les montages pour Normandie 80. On peut mettre les photos dans Discord, dans Bar Maquettiste ou Discussion Normandie. Pas dans Normandie, Bilout. C'est quoi cette question? Pourquoi tu crois que j'ai fait un salon Si j'ai fait un salon Normandie 80, c'est pour qu'on parle de quoi? Vietnam? Non, c'est le nom du village. Ah oui, d'accord, il faut aller là-bas pour avoir du vrai, du bon reblochon. C'est pour être sûr. Ben oui, mon Bilout, enfin. Le problème, c'est que vous demandez tous des trucs comme ça pour être sûr. Donc, je reçois 800 000 questions par jour. Est-ce que le X22, c'est bien? Oui, oui, t'es sûr, Didier, hein? Oui, oui. Mais oui, Titus, tu mets là-dedans. Après, tu peux le mettre sur toi en Facebook, tu mets partout où tu veux, hein, bien évidemment. Hein, c'est pas... Tu vois? Tes photos, ton travail ne m'appartient pas, hein. Ben comme ça permettra de classer, tu vois, comme ça, quand on voudra voir les avancements, ou les trucs, ou les machins. Même moi, tu vois, quand je ferai des directs, tout ça, ben j'irai pas chercher partout, là, c'est où qu'ils ont mis leurs photos, là, il l'a mis là, l'autre il l'a mis là, l'autre il l'a... Donc là, j'aurai tout sur la main, et ça sera quand même plus sympatoche, plus facile pour moi aussi. Ah oui, depuis 20 mois, ben pourquoi c'est marqué 12 à côté de ton nom? Demain, c'est raclette géant chez les floppies. Il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Jamais. Il n'y a pas un moment de repos pour son estomac. Mon petit floppy. Mon copain. Et ne décris pas sur YouTube ta raclette, s'il te plaît. All right? Parce qu'on a des Savoyards là en ligne. Tu vois, des gars qui s'y connaissent quand même, Yannick, tout ça là. Donc si tu nous expliques ta raclette façon floppy, les gars vont faire une crise cardiaque. Ça passe de 12 à 24. Ah oui, peut-être, ouais, excuse-moi. Ouais, c'est vrai, c'est moi qui ai fait les trucs en plus. Mon Didier. Raclette le 31 aussi. Oh putain, les gars, mais vous allez. Sûrement des petits joueurs raclette. Alors, tu vois, le mec, il est tellement sûr que c'est sa raclette que même le pays d'origine de la raclette, c'est pas bon. Si tu veux avoir une raclette, une vraie raclette, tu vas chez Floppy. Ça va finir avec un attentat, tout ça, tu vas voir. Donc tu vas tomber sur un vrai de vrai Savoyard, là. Alors moi, je continue pendant ce temps-là, je monte mes maquettes. Hein. Je colle mes petites pièces. Hein. C'est pas crème fraîche, quoique il n'y a pas encore pensé, mais il pourrait le faire. Non, c'est que c'est lui, c'est une raclette mélangée avec une plancha, tu vois. Donc, pommes de terre vapeur, des fromages évidemment, la machine évidemment, de la charcuterie, plein de charcuterie bien évidemment, mais des champignons, des œufs de caille, des tomates cerises. Des légumes à griller, tout ça. Il fait griller ses charcuteries, mon floppy. C'est-à-dire que, par exemple, le saucisson, il met dans le... comment on appelle ça? Le petit poêlon.
Il fait griller d'abord le saucisson, ou le jambon, ou je sais pas, les charcuteries. Et après, il met son fromage dessus. Enfin, il fait tout un, plein de cuissons, plein de trucs comme ça. Hein, en floppy. Je suis sûr, là, il, voilà, c'est raclette, pierrade. Enfin, quoi que pierrade, c'est des morceaux de viande, vraiment, du bœuf, tout ça. Lui, c'est la plancha, quoi. Et puis des tranches bien épaisses. Hein. Voilà. Les floppy, le saucisson, c'est tu vois, 1,5 cm d'épaisseur. Et le jambon, pareil, hein, le pays, là. C'est la raclette floppy. Bon, par contre, tu prends 12 kilos. Hein, voilà. Visite obligatoire chez le cardiologue le lendemain parce que voilà, ça c'est la plage arrière du véhicule qu'on prépare là tout doucement. Sacrilège, bah oui, c'est sacrilège, attends. J'arrête pas de lui dire, mais il me croit pas. En plus, je suis franco-suisse, on va vite mal le prendre. Il y a des gens qui ont été cloués pour moi, ça sur les portes des granges. Et avec un coca pour digérer. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus-Marie-Joseph. Le gras, c'est la vie. Ah oui, c'est écrit sur beaucoup d'épitaphes dans les cimetières, ça. Par chez moi. Dans tous les cimetières, il y a un épitaphe sur la tombe. Le gras, c'est la vie. Non, mais l'important de la raclette, c'est de se faire plaisir. Et qu'à la fin, on soit, tu vois, voilà, la petite bedaine bien, bien remplie. Et qu'on soit heureux, quoi. Voilà. Alors la floppy, je vous assure que pour l'avoir déjà vu, que quand il a fini sa raclette, une demi-heure après tout le monde, parce qu'il prend son temps, et ben il est heureux. Alors c'est quand même ça le principal. Moi, ça me dérange pas, hein. Alors, mais moi, j'adore les gens qui mangent comme ça. Qui se régalent avec la bouffe, quoi. Tu vois ? Moi, je me bats, c'est pour qu'il arrête d'appeler ça une raclette. C'est pas une raclette. Faut respecter la tradition. Faut trouver un nom. Une raclette mélangée avec une... Ah, comme on avait dit là, on avait trouvé un nom déjà. Raclette plancha ou je sais pas quoi, faut trouver un nom, tu vois. Créer ton propre truc. On ne peut pas dire c'est une raclette, là, tu vas rendre fou les Savoyards, les Suisses et tout ça. Quoi. Mec, je crois que la raclette, elle est au patrimoine culturel du. Enfin, tu vois. Et toi, tu arrives, tu dis non, laissez-moi avec les champignons, je mets les champignons. Non. Alors tu vois, ça vient ici, ça, regarde. Hop, regarde. Voilà, on a une route de secours, comme ça, si jamais il nous arrive un truc, les gars. C'est ça qu'on devrait louer, Floppy. Regarde, en Normandie, on serait pas bien, un truc comme ça, on pourrait traverser les rivières et tout. C'est trop bien, ça. Est-ce qu'on serait bien, là. Bon, voilà, là, je peux coller ça un peu, là.
Hop. Non, je vais tout peindre après. Tout, 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 tout. Ce que je vais faire, je vais tout faire à... Comment on dit, en olive drabe, quoi, tu vois, le truc classique, avec un peu de... Donc, ça soit pas une couche uniforme, machin. Et après, au pinceau. Le roux des pneus. Alors, peut-être pas les roues sur le côté. Parce que là, j'ai un accès facile, si tu veux. Donc là, il n'y a pas de risque au pinceau, c'est nickel. Hein. Tu vois. Alors que là, j'ai pas un accès terrible. Donc là, ceux-là, les roues qui sont là, là, je vais les faire à part. Mais tout le reste, là, je vais tout monter. Après, j'aurai ça, les sièges au pinceau, le volant, deux, trois anneries, et puis c'est tout. Hein. Tu vois la banquette, là, regarde les sièges, là, la banquette. Après, tout le reste, le moteur, je le monte pas. Voilà, après, on est déjà pratiquement à la fin, hein. Tu vois, ça va vite, hein. On va faire les figurines, les machins, c'est impeccable ça. Là on est à l'étape 4 déjà, tu vois. Salut Patrick. Je vais à la graille, yes. Merci pour tes conseils, Annalie Didier. Oh, mais je t'en prie. Mais je t'en prie. C'est moi qui gère. C'est toi, Didier, qui gère les inscriptions pour la raclette. Ouais, allez-y, mollo, parce que notre ami Floppy est un gars extrêmement généreux. Donc, si vous insistez un peu, il serait capable de vous dire oui et de se retrouver avec. Voilà pour l'instant, regardez-moi ça, comment elle est jolie notre petit truc là. Ça va être magnifique ça. Hop. Tu remettras soit, celui-là, soit ça, soit la Jeep à côté de mon petit diorama là, avec déjà le G7105. C'est ceux qui se font prendre la photo. Peut-être que ça sera ça. Ou peut-être que la Jeep, je sais pas. On verra. Hein. Laissons ouvert toutes les possibilités, machin. Hein les gars? Bon, vous m'avez remis des petites photos ou c'est bon, on peut y aller là. Alors je regarde. Hein. Ah ouais, il y a un peu de photos, cool. Alors, on en était arrivé où ça, les photos sont de notre ami Eric, ça on avait vu. Dams, séchage du vernis semi-gloss. Donc c'est un fuma allemand. Bien joué. Ah, je viens de finir le Skyrider, nous dit Michael. Voilà, ça c'est du. Regardez les gars. Les pré-ombrages, la finesse de la peinture. Génial. Très chouette, Michael. Juste ce qu'il faut comme patine. Très très beau. Génial, top. Bon bah voilà les gars. Parfait. Hein, on aura lancé la petite affaire là, et puis comme ça on pourra se faire des petits directs de temps en temps. J'essaierai de faire un peu le soir parce que oui, il y a beaucoup de gens qui bossent, qui m'inquiètent à peu près à cette heure-là. Puis ceux qui m'inquiètent le soir comme ça très tard, ben, ils auront leur petit replay si ça les intéresse bien sûr. Je vais devoir faire une camo 3 tons allemande pour le D2MM. Ce sera la première fois. Je suis preneur de tous les conseils dans ce domaine.
Ok les gars, eh ben, je vous souhaite une très agréable fin de journée. Reposez-vous bien, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont en vacances là, en ce moment, entre les deux fêtes là. Donc profitez-en bien, ceux qui peuvent m'inquiéter, m'inquiétez bien. Et puis on se refera un petit direct très rapidement, ok? Alright. Allez les gars, à plus, ciao, à demain ou après-demain, hein? Ok, à plus les gars, ciao, bonne soirée.